السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحه وعافيه ان شاء الله. هاد لا فيديو تلقاكم وانتم في احسن حال. الوغ كيف ما تعودنا غادي نبداو ان شاء الله المراجعه ديالنا بالدعاء. بسم الله، اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين. اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. الو كيف ما لاحظتوا اليوم غادي نخدموا على لي كومبليمون سيركونستانسييل. اشنو هما لي كومبليمون سيركونستانسييل وكيفاش اننا ممكن اننا نلقاوهم؟ الو لي كومبليمون سيركونستانسييل ا بارتير دو لور نو سو سون دي كومبليمون، يعني اش il complète. Il complète quoi? Complète la phrase. Ou ملي تنهضر على لا فراز تنهضر على لاكسيون، يعني لو فيرب. دونك les compléments circonstanciels, ce sont des mots ou des groupes de mots qui complètent la phrase. L'action, d'accord? Puisque ce sont des compléments circonstanciels, les circonstances de la phrase, en arabe, il y a ظرف مكان ou ظرف زمان. Alors, remarquez, les compléments circonstanciels, ce sont des mots ou des groupes de mots qui complètent les circonstances de la phrase, Qu'il y a le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de temps et le complément circonstanciel de la manière. Le complément circonstanciel de lieu, maintenant, le lieu de la phrase. D'accord? Le lieu de la phrase. Yani, je pose la question où. Pour le trouver, on pose la question où. Par exemple, dans son bureau, papa travaille où? Dans son bureau, d'accord? Le complément circonstanciel de temps indique quoi? Indique le temps de la phrase, le temps de l'action. Je réponds à la question quand. Alors pour le trouver, je pose la question quand. Et pour le complément de manière, le complément circonstanciel de manière indique la manière de l'action, d'accord? Qui fait de l'action? Comment on a fait l'action? D'accord? Alors, pour faciliter la tâche, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la maman prépare le dîner. La maman prépare le dîner. De quoi se compose cette phrase? Il y a le sujet. Qui est-ce qui fait l'action? Donc, est-ce que nous avons Hubert? La leçon de Hubert, parce qu'on a les compléments du verbe. On a dit que, est-ce qu'il y a la phrase? Il y a le verbe. Il est même quand dit une action dans la phrase, il y a, ce n'est pas une phrase. Bien sûr, sauf les phrases exclamative. Alors, bien sûr, l'importance, le noyau de la phrase, c'est le verbe, d'accord? Qui est-ce qui fait l'action? Qui est-ce qui fait le verbe? C'est le sujet ou le groupe nominal sujet, d'accord? Et le dîner, c'est un complément d'objet direct ou indirect. On pose la question quoi? Comment la maman prépare quoi? Le dîner. Donc, c'est un complément d'objet direct. يعني باقي مراجعين معايا الدرس البارح، d'accord؟ ردوا معايا البارح، راه هادشي متسلسل، يعني لا غرامير راه إلا ما عرفتش لا باز ديالتها راه ما عمرني ما غادي نزيد لقدام، d'accord؟ ألوغ ردوا معايا البارح، لو غروب نومينال سوجي سي كي إس كي في لاكسيون، لو فارب هو لو نوايو دو لا فراز سي لاكسيون دو لا فراز، أشنو درنا في هاد لا فراز، إي لو كومبليمون دوبجي ديريكت، إل كومبليت لو فارب. يعني ما يمكنش لي نقول لا مامون بريبار اي ميتر ان بوان ونمسح لو ديني امبوسيبل داكور سينون لا فراز ني سورا با كومبليت اي ني با فيني اي نا با ان سونس لا مامون بريبار كوا لو ديني يعني سي تان مو كي نيسيسير دون لا فراز الو لا مامون بريبار لو ديني هاد لي بريبار لا بريباراسيون اي لي تي او دونك جو في بوزي لا كيسيون او بريبار او Elle prépare le dîner où? Dans la cuisine. La maman prépare le dîner. On va ajouter, on va supprimer le point
et on va dire par exemple dans la cuisine. Dans la cuisine. Est-ce que c'est sa fonction? Est-ce que c'est le rôle de la phrase? On a répondu à la question où et on a répondu, on a donné le mot dans la cuisine. Est-ce que la fonction de la? Elle indique quoi? Elle indique le lieu de la préparation. Elle indique le lieu de la phrase. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Encore. Fdolé, Béji Souna. La maman prépare le dîner dans la cuisine. Figuya, Inta, c'était quand on a de la préparation? Puisque le verbe est au présent. Donc, on va dire. Quand elle prépare le dîner? Quand? Et je vais lui dire. Chaque soir. Bien sûr, on supprime la majuscule. Chaque soir, la maman prépare le dîner. Alors, à l'expression ou le groupe de mots chaque soir, on a répondu à quelle question? À la question quand. Alors, on a trouvé quoi? Le ton de la phrase. Dans chaque soir, la maman prépare le dîner dans la cuisine. Il y a la fonction d'être à chaque soir. C'est un complément circonstanciel de temps. D'accord? Alors, chaque soir, la maman prépare le dîner dans la cuisine. Alors, remarquez. Flouul, quand elle dit la phrase, il y a trois mots. D'accord? Est-ce que vous avez le premier groupe de mots en posant la question où? Ou le deuxième groupe de mots en posant la question quand? Ce sont des mots qu'on ajoute. Ce sont des mots qui sont supplémentaires. Alors, on va voir. Chaque soir, la maman prépare le dîner dans la cuisine. Qui va chercher la de la préparation? Comment elle prépare le dîner? Donc, je vais utiliser la couleur rouge. On va voir ce que... Alors, comment elle prépare? Comment elle prépare le dîner? Donc, chaque soir, la maman prépare le dîner. Comment? Prépare, on va dire, je vais donner la réponse ici. Prépare, par exemple, rapidement le dîner. La maman prépare comment? Rapidement le dîner. Alors, rapidement, c'est quoi? Quelle est sa fonction? C'est un complément de manière, il indique la manière de la préparation. Qui fait de la préparation? D'accord? Alors, je vous la termine dans la phrase. Je vais effacer ça, d'accord? Je vous la termine. Chaque soir, la maman prépare rapidement quoi? Le dîner ou dans la cuisine. Alors, la maman prépare le dîner. Prépare comment plutôt? Prépare rapidement le dîner dans la cuisine. Alors, regardez. Quand elle dit une phrase qui se compose de trois mots. La maman prépare le dîner. Les mots essentiels dans la phrase. D'accord? Je ne peux pas les supprimer. Ils sont obligatoires. Le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Où est-ce que je vais lire? La phrase.
chaque soir un complément circonstanciel de temps. Maintenant, rapidement, un complément circonstanciel de manière. Et on a ajouté dans la cuisine un complément circonstanciel de lieu. Est-ce le complément circonstanciel واش ضروري في la phrase? Est-ce qu'ils sont nécessaires dans la phrase? Est-ce qu'elles sont obligatoires? Non. Pourquoi? Parce que la phrase l'ouel mais les quand c'est indifférent les trois mots, elle avait un sens. D'accord? Yani, ce sont, yani, les compléments circonstanciels sont seulement des informations supplémentaires, idafaites, d'accord? Pour mieux préciser la phrase. Pourquoi? Pour étendre la phrase. D'accord? Mais je peux tout avec la phrase. Alors, c'est le premier point. C'est que les compléments circonstanciels ne sont pas nécessaires dans la phrase. Le deuxième point. Regardez si je dis, la maman prépare rapidement le dîner chaque soir dans la cuisine. Dans la cuisine, chaque soir, la maman prépare rapidement le dîner. Rapidement, la maman prépare le dîner chaque soir dans la cuisine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé l'emplacement des compléments circonstanciels. Regardez si je vais vous donner un exemple. Par exemple, on commence par la maman. Prépare le verbe, l'action. Le dîner. On dit le mot macoulant. Et regardez, est-ce que la phrase est correcte? La maman prépare le dîner rapidement. La maman prépare le dîner rapidement chaque soir dans la cuisine. Alors, regardez, est-ce que la phrase a un sens, Abdelmara? La maman prépare le dîner rapidement chaque soir dans la cuisine. Est-ce que la phrase a un sens? Ou je dis maintenant? Oui. Alors, on a changé l'emplacement des compléments circonstanciels. Rapidement, quand il prépare le dîner. Chaque soir, quand il dit le début de la phrase, au milieu ou à la fin de la phrase. Et dans la cuisine, c'est le complément circonstanciel de lui. Alors, les compléments circonstanciels sont des mots qu'on ajoute à une phrase, d'accord, pour la compléter. Elle indique ou il indique les compléments. Il indique quoi? Les circonstances de la phrase. Il y a trois. Il y a le complément circonstanciel de manière qui indique la manière de la préparation, plutôt, indique la manière de l'action du verbe, d'accord? On répond à la question comment? Il y a le complément circonstanciel de lieu qui indique le lieu de la phrase. Et le complément circonstanciel de temps qui indique le temps de la phrase et on répond à la question où, d'accord? Ce sont des mots, ce sont des phrases ou ce sont des compléments qui ne sont pas nécessaires, qui sont supplémentaires. Ce sont des informations supplémentaires. Il y a une je peux les supprimer. Il a dit rapidement, si on a supprimé rapidement. La maman prépare le dîner chaque soir dans la cuisine. La phrase est correcte. Si je supprime aussi dans la cuisine, la maman prépare le dîner chaque soir, la phrase a un sens. Et si je supprime aussi le complément de temps, la maman prépare le dîner, elle a un sens. Donc, ce sont des mots ou ce sont des informations qui sont supplémentaires. Mais je suis dans l'origine de la phrase. D'accord? Il aime Sinao, la phrase est correcte. Il aime Gnalium, la place, la phrase est correcte. D'accord? Donc, les compléments circonstanciels sont des informations supplémentaires qui indiquent les circonstances de la phrase. Ils ne sont pas nécessaires. Je peux les supprimer et je peux les déplacer. Alors, voilà, hadija la leçon. Hawlt anani nzrb باش ما يجيكمش لا فيديو طويل. ما تنساوش البارطاج مع الاصدقاء ديالكم. تنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم معايا. وان شاء الله عندي لكم مفاجآت من بعد ان شاء الله في هاد لي دو جوغ ان شاء الله اللي جايين.
ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير. انا كيف تنقول لكم ديما راه الاشاره ديالكم اللي ما فهمش شي حاجه اللي لقى مشكل يصيفط لي ا ميساج ونعاود معاه. جو ني با دو بروبليم، جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون. السلام عليكم.